Le 2 septembre dernier, les Ivoiriens allaient aux urnes pour élire leurs administrateurs locaux. Sans surprise, les deux formations qui se dégagent pour le moment sont le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI-RDA, et le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Depuis la proclamation des résultats provisoires, le dimanche 3 septembre par la Commission électorale indépendante, le RHDP, parti au pouvoir, semble arriver en tête. Considérant ces élections municipales et régionales comme un prétexte avant 2025, c'est-à-dire le test avant la présidentielle, le RHDP est incontestablement bien positionné. Les résultats provisoires dans 8 régions sur 31 et dans environ 100 communes sur les 201 placent déjà le parti d'Alassane Ouattara en tête. Même dans certaines communes qu'on considère comme le bastion de l'opposition. Les deux principales formations d'opposition, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, et le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, PPACI, pourtant alliés dans de nombreuses localités, n'avaient remporté qu'une quinzaine de communes, le reste revenant à des candidats indépendants. Ainsi, malgré le soutien du père à son fils, le Yopougon de Gbagbo, voulu par de nombreux partisans du PPACI, n'a pas eu lieu. En effet, le RHDP conserve la plus grande commune de Côte d'Ivoire grâce à la victoire d'Adama Big Togo. Le cas de Yopougon, qui est la Côte d'Ivoire en miniature, est une grande leçon pour l'opposition politique, surtout pour le PPACI qui doit revoir son discours et sa stratégie. C'est cible, parce que la Côte d'Ivoire de 2002 à 2010 est différente de celle de 2011 à maintenant. En attendant les résultats définitifs de la CEI, des 31 conseils régionaux renouvelés, 8 sont déjà aux mains du RHDP avec notamment des victoires du Premier ministre Patrick Hachi dans la Mai et du ministre de la Défense Tene Biraïma Ouattara dans le Tchologo, ainsi qu'Anne Désirée Oloto dans le Cavalli.